Bonjour, monsieur Topaz. Bonjour, mademoiselle Huch. Vous n'avez pas vu maman? Non, madame la directrice s'est pas montrée ce matin. Oh, tant mieux. Voulez-vous me prêter votre encre? Avec le plus grand plaisir, mademoiselle. Merci, monsieur Topaz. Je viens tout juste de racheter ce flacon et je vais le déboucher pour vous. Merci, monsieur Topaz. Tout à votre service, mademoiselle. Oh, tout à mon service. C'est une phrase toute faite, mais vous la dites bien. Oh, je la dis de mon mieux et très sincèrement. Les enfants, vous pouvez aller jouer. Il y a 15 jours, non, vous ne la disiez pas, mais vous étiez beaucoup plus aimable. Encore, mademoiselle? Vous m'apportiez des boîtes de craie de couleur, des calendriers. Et vous veniez jusque dans ma classe corriger les devoirs de mes élèves. Aujourd'hui, vous ne m'offrez plus de m'aider. Vous aider? Mais si j'avais sollicité cette faveur, me l'eussiez-vous accordée? Je ne sais pas. Non, je dis seulement que vous ne l'avez pas sollicité. Merci tout de même. Mademoiselle! Oui? Permettez-moi. Faites-moi la grâce de me confier ces devoirs. Ah non. Oh non, 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 non. Je ne veux pas vous imposer une corvée. On n'appelait pas une corvée ce qui est pour moi une joie. Faut-il vous le dire quand je suis seul le soir dans ma petite chambre, penché sur ces devoirs que vous avez dictés? Il me semble. Soyez correct, monsieur Topaz, je vous prie. Je vous demande pardon, mademoiselle. Mais vous pouvez plus me refuser cette faveur sans m'affliger un chagrin que je n'ai pas mérité. Bon. Allons, je veux bien céder. Encore une fois. Voilà. Merci. 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 Il me les faut pour demain matin. Vous les aurez. Oh, et surtout, ne mettez pas trop d'annotations dans les marges. Et si maman tombait sur l'un de ses devoirs, elle reconnaîtrait votre écriture au premier coup d'œil. Il me ferait de violents reproches. Oh, j'ai une petite émotion quand je pense que nous faisons ensemble quelque chose de défendu. Non, taisez-vous. Et n'oubliez pas, demain matin, 8h30, hein, et pas un mot. Pas un mot. Bon, alors, revenons à nos moutons. Monsieur Topaz, je voudrais...